Vous êtes sur RTL. Moi, j'ai eu la chance, comme Bayrou, comme Colomb, d'exercer des responsabilités nationales. Ça écrase tout, en fait. C'est un lien singulier, c'est une histoire. Ça correspond probablement aussi à l'idée qu'on se fait lorsque l'on rentre en politique, de se battre pour des convictions et de se battre aussi pour son engagement. J'ajoute que c'est une chance d'être de quelque part. Et quand ce quelque part vous plaît et que vous êtes utile pour ce quelque part, ça rend complète une vie politique. Donc je comprends la démarche de Gérard Collomb. Après, l'annonce d'un départ différé, ça c'est un peu plus surprenant parce que ça l'affaiblit dans sa fonction actuelle. C'est-à-dire annoncer qu'on partira dans 8 mois ou plus tard. Oui, ça. Voilà, ça c'est un peu baroque, mais en revanche... C'est baroque et c'est étonnable. Ça c'est l'histoire qui dira, je pense qu'en tout cas c'est un affaiblissement. Mais je pense la sincérité de sa démarche, de son attachement lyonnais, c'est sûr. Mmh.